Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va faire le débrief du Tour de Luxembourg. C'était la semaine dernière. C'était une course intéressante avant les championnats du monde, avant également la fin de saison, avec notamment Tour de Lombardie, Paris-Roubaix. Il y a encore beaucoup de courses hein, cette année pour la fin de saison. C'est également un trou. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder le Tour de Luxembourg. En plus, avant, c'était un peu plus tôt. C'était au mois de juin, mai-juin, à une époque, le Tour de Luxembourg. Et c'est vrai que moi, je ne l'avais jamais regardé. Donc comme c'était sur la chaîne L'Équipe, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je n'ai pas été déçu. Ça a été une course assez sympa. C'est pas la course de l'année, mais les parcours sont assez vallonnés. Je m'attendais à des parcours beaucoup plus plats. Il y avait toujours une petite côte dans le final, un petit truc pour rendre la course un peu difficile, notamment l'étape 2, où il y avait une petite arrivée en bosse très intéressante. Des petites courses, des petites fins d'étape en circuit. C'était assez sympa, je trouve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis on commence tout de suite par ce débrief du Tour du Luxembourg. Alors on va pas faire comme d'habitude les bleus top et flop. Je vais faire top et flop, il y avait beaucoup de bleus, donc sinon j'en finis jamais. Parce qu'il y avait quand même toutes les équipes françaises professionnelles de première et deuxième division qui étaient présentes sur cette course, donc ça faisait beaucoup beaucoup de monde. On commence avec le vainqueur de ce Tour du Luxembourg, João Almeida. Qui a été, je dirais pas intraitable, mais presque, notamment vainqueur de la première étape. Très bon sur le contre-la-montre également, João Almeida, comme toujours. J'étais même surpris que du côté du Portugal, on ne le prenne pas. Alors, est-ce que c'était parce que Luxembourg, Belgique, pour aller du côté de la mer du Nord, pour le contre-la-montre des championnats du monde, c'était un peu compliqué? Mais bon, Nelson Oliveira, Almeida, moi je pense que Almeida est meilleur que Nelson Oliveira, du côté du Portugal. Mais bon, ça c'est autre chose. Je rappelle que je reviendrai sur les contre-la-montre masculin et féminin de ces championnats du monde. Et même, je vais tenter de faire ça. Donc je ferai la vidéo, je pense, mardi matin. Donc ça sera mardi après-midi, mardi dans la soirée que vous l'aurez en ligne. De tenter d'avoir également la course U23 pour vous faire un bilan de ces trois courses. Mais Almeida, il a été très très bon, il a été performant, il n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas grand chose à dire sur le portugais, à part que il a très bien géré sa barque. Pourtant, l'équipe de Koninck, il y avait Cataneo, mais c'était pas forcément la plus grosse de Koninck qu'on ait vu que j'ai vu de toute ma carrière. Et c'était vraiment très sympa. Il a vraiment fait ce qu'il fallait pour contrôler, même si vous avez Marc Kirschi, Groupama également a pas mal attaqué, notamment le dernier jour. Mais il a réussi à s'en sortir, donc vraiment chapeau. Chapeau, monsieur Almeida. Et ça montre qu'il y a quand même une bonne condition physique pour le Portugais, je trouve, à l'approche des championnats du monde notamment. Même s'il a été un peu plus en difficulté lors de la dernière étape, Almeida, à des moments, il a été mis un petit peu en difficulté, mais il a bien été aidé par Masnada, qui a fait un sacré boulot aussi sur cette course. Et Cataneo, ces deux lieutenants, on va dire, sur ce grand tour. Et puis pour Almeida, il sera encore au Tour de Lombardie, mais c'est presque un cadeau d'adieu, cette victoire au Tour de Luxembourg, parce que, on rappelle qu'il va ensuite rejoindre l'équipe UAE. C'est l'un des gros transferts de cette année du côté du Portugais. Je continue du côté des coureurs au top avec Marc Kirschi. Ça fait du bien de retrouver Marc Kirschi, parce que depuis le début de saison, on ne peut pas dire que les résultats avaient été grandioses pour le coureur suisse. Mais depuis quelques jours, c'est pas mal. Depuis le mois d'août, il a fait une pause d'un mois après les Jeux Olympiques. Et il a fait 5e de la Bruxelles Cycling Classic. Il a fait 7e de l'avant-dernière étape du Tour du Benelux, 6e des championnats d'Europe. Sur la course en ligne, j'avais dit que c'était vraiment pas mal. Et puis là, sur ce Tour de Luxembourg, 3e de la première étape, vainqueur de l'étape numéro 2 avec l'arrivée en petite bosse. Même sur le chrono, il n'a pas été mauvais. Il finit 6e. Donc pas loin de Pierre Latour, devant un Vincenzo Nibali.
Donc c'était vraiment bien de la part de Mark Hirschi, alors que cette année ses chronos avaient été quand même vraiment mauvais en général. Donc non, ça va mieux parce que j'étais à part son, il avait fait deuxième du chrono des championnats du championnat de Suisse, mais j'étais un peu inquiet quoi. Et j'étais pas le seul. Tous les suiveurs étaient inquiets avec Mark Hirschi parce qu'on se demandait vraiment, mais où en est le coureur suisse? Que fait-il? Pourquoi est-il à ce niveau-là? Pourquoi est-il autant largué? Il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes. Il y a même des mecs qui voient toujours le dopage partout, qui disaient il était complètement chargé l'année dernière. C'est bien, c'est quand on attaque sans preuve. Ça me fait toujours un petit peu rire. C'est Monsieur Brindel qui bosse notamment à Canal+ et qui fait également RMC, qui dit que Hirschi est complètement chargé. Enfin non, il le dit pas, mais il dit pas son nom, voilà. Donc, non, on sait pas que c'est Hirschi. Hein. Un Suisse qui performe l'année dernière. Non, c'était pas Hirschi, c'est Stéphane Kung. Bon. Voilà, ça m'énerve légèrement. Mais du côté de Mark Hirschi, il a été très très bon. J'étais aussi un petit peu inquiet parce qu'il y avait eu ce changement d'équipe où on se disait, est-ce que c'était un bon choix au final pour Hirschi qui se retrouve à être équipier sur les grands tours? Bon, je ne sais pas si c'était un bon choix, mais au moins on le revoit un petit peu au niveau quand on lui donne sa chance. Et pour la fin de saison, le Tour de Lombardie, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est pas un homme du mois d'octobre, Mark Hirschi, de septembre-octobre? Est-ce que c'est pas ça, la surprise? L'année dernière, la saison, il a été performant, mais en septembre sur le Tour de France et en octobre sur les classiques ardennaises. Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est qu'il est performant que 2-3 mois dans l'année et que c'est en fin de saison. C'est peut-être ça. Je vous laisse réfléchir à cette réflexion. Je continue avec la Groupama. Ils ont été bons, que ça soit Godu et Pinot. Moi, j'ai bien aimé le contre-la-montre de Thibaut Pinot. Pour moi, alors j'avais pas vu le Tour du Poitou-Charentes, mais je sais qu'il avait été plutôt bon sur le contre-la-montre. Avec les soucis qu'il a eu au dos, et on sait que sur la position de contre-la-montre de Thibaut Pinot, il y a souvent eu des petits soucis, des petits accros. Je l'attendais vraiment sur le chrono pour voir où était son état de forme, où était son niveau de performance, son niveau de récupération d'après blessure, on va dire. Et là, ça s'est plutôt bien passé, même si il s'est engueulé avec son directeur sportif lors de ce contre-la-montre. Je pense que c'était un problème d'information qui n'arrivait pas, ou il n'avait pas les bonnes informations dans les oreilles. Je trouve que c'est quand même pas mal. Godu, il gagne la dernière étape, il finit sixième du général, juste devant Thibaut Pinot. C'est pas mal aussi, hein. Pour des coureurs qui, Thibaut Pinot, il y aura les classiques italiennes, donc ça va être intéressant. David Godu, il sera également sur les classiques italiennes. Est-ce qu'il sera leader sur les classiques italiennes? Ça, c'est une autre question. Il a quand même fait 7e des Jeux Olympiques, on pourrait se dire que les deux sont co-leaders. Moi, j'ai envie de croire à ça. Et puis surtout, Thibaut Pinot, on sait qu'en Italie, il y a une sorte de magie qui se produit dès qu'il court en Italie, Thibaut Pinot. Donc, on va voir. Puis ça sera son grand retour avec le public italien. C'est vrai, parce que l'année dernière, il n'avait pas couru en Italie. Donc, ça va être intéressant du côté du français. Je trouve que la Groupama a vraiment bien couru cette semaine. On a vu également Reichenbach, pas mal. On a vu également du côté de la Groupama, pas mal de coureurs qui étaient plutôt performants. Je pense à Attila Walter également, qui fait 18e. Donc voilà, l'équipe s'est vraiment bien comportée pendant cette course. Et ça, c'est assez intéressant. Puis je termine du côté des tops avec Pierre Latour. Nom de Dieu, je dis pour une fois du bien d'un coureur de la Total Direct Energy, de la Total Energy. Cette équipe ayant changé 150 fois de nom, des fois on a du mal. Marquez-le d'une pierre blanche. Quand il n'attaque pas de manière stupide, et il n'a pas attaqué de manière stupide sur ce Tour de Luxembourg, il a fait un bon chrono, parce qu'il est à 40 secondes de Cataneo, ce qui est pas mal. Parce que Cataneo, pour moi, c'est dans le top 10 mondial au niveau du chrono. J'ai même été surpris que les Italiens ne le prennent pas pour les championnats du monde. Parce qu'ils ont pris
Le troisième italien, je sais plus qui c'était. Et bon, vu le temps qu'il a fait, je pense qu'ils auraient pu prendre Cataneo. Surtout que c'était un parcours tout plat et Cataneo est très très bon sur les parcours tout plat. Là aussi, avec Almeida, peut-être que le voyage c'était trop compliqué à mettre en place. Mais du côté de Pierre Latour, c'est intéressant parce qu'il finit à une 0-9 avec David de la Cruz, qui a fait quand même une grosse Vuelta, David de la Cruz. Du côté de Pierre Latour, la question est de savoir s'il tient 3 semaines. J'aurais tendance à dire que vu son dernier Tour de France, j'ai des doutes. Ça montre qu'il est encore en capacité d'aller faire des bons classements sur des courses d'une semaine. Et pour la Total Energy, ça veut dire des points aussi au classement UCI. C'est important aussi au niveau du classement UCI de marquer des points sur le Tour du Luxembourg. Donc pour Pierre Latour, c'est intéressant pour la Total Energy. Alors, on les a vus à l'attaque aussi. Je pense que notamment c'est Boissonnaguen qui, je crois, a fait un top 10. On a vu aussi beaucoup Anthony Turgis. Bon, malgré tout, il y a des coureurs. On se demande ce qu'ils foutent. Alors, Marlon Gaillard. Hein? Mais même Geoffrey Soupe. Geoffrey Soupe, c'est quand même compliqué depuis quelques temps. Geoffrey Soupe n'est pas très bon. Hein? On va pas se mentir. Et puis, Van Gestel, lui, il est bon qu'en début de saison. Donc, de toute manière, c'est pas... à ce moment-là de l'année, il est plus bon. Mais on sait qu'il est bon en début de saison, mais surtout Geoffrey Soupe et Marlon Gaillard. Marlon Gaillard, c'est comme Burgodo. Quoique Burgodo a fait top 3 sur je sais plus quelle course italienne, j'ai vu il y a quelques jours. Il a fait un top 3. Je me suis dit, ah, je vais peut-être tomber sur Burgodo. Bon. Après, j'ai regardé, j'ai vu que c'était pas une pro series non plus. Hein. On termine avec les flops, on va dire un petit peu de la semaine. Je commence avec Vincenzo Nibali. 8e, mais 9e pardon, de cette course, mais sans avoir du tout pesé sur la course. C'est quand même plus le grand Nibali. Alors je sais qu'il est toujours très très sollicité, on va dire, sur le marché des transferts, parce qu'il est en fin de contrat, Nibali, avec Trek. Pour l'instant, il n'a toujours pas signé de nouveau contrat. Est-ce qu'il en signera un? 15 ans de carrière quand même, Nibali. Hein. Il a commencé à la Fassa Bortolo en 2005. Donc déjà, il a connu la Fassa Bortolo. Est-ce qu'il a encore la motivation? Est-ce qu'on ne vit pas les derniers moments de coureur de Vincenzo Nibali? Je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu comme Rossi. Quoi. Il y a un moment, les légendes, il faut sentir quand le vent tourne et quand il faut partir au bon moment. Éviter de faire comme Rossi, qui part avec 3 ans trop tard en moto. Notamment donc du côté de Vincenzo Nibali, c'est quand même inquiétant qu'un coureur de ce calibre-là, on va dire, n'ait pas signé un nouveau contrat. Alors, est-ce que c'est parce que personne ne lui propose rien? Est-ce que c'est aussi parce qu'il demande un salaire trop important? Ça peut être le cas. Mais de toute manière, là, sur ce Tour de Luxembourg, il n'a absolument pas pesé sur la course. Pourtant, il était plutôt bien entouré, notamment avec Bokke Mollema, qui a eu un problème sur le contre-la-montre avec une chute, mais aussi avec Julien Bernard. Mais il n'a jamais été offensif sur cette course. Il n'a rien montré. Très clairement, il finit 9e, mais on l'a très peu vu. Donc c'est ça qui est inquiétant, je trouve. Est-ce que Nibali, qui fera donc bien entendu les classiques italiennes de fin de saison, mais est-ce que Nibali aujourd'hui, c'est un coureur qui est encore en capacité de montrer quelque chose? Au niveau du général, on sait bien que c'est mort. Au niveau des classiques, c'est compliqué. En tant que baroudeur, en tant qu'équipier, mais je le vois mal se mettre au service d'un autre leader. Et je le vois mal devenir un baroudeur, on va dire, à gagner des étapes comme ça en partant de loin. Donc je suis un peu circonspect avec Nibali. Et puis je continue avec Quintana. On a vu Arkea à l'avant de la course. Que ce soit pour Quintana en passant et pour Connor Swift. Les résultats, eux, n'ont pas suivi. Je pense que Arkea misait énormément sur cette course. Parce qu'ils avaient mis quand même Quintana. Il y avait du bon de chez Arkea. Ça a été compliqué. On les a vus énormément travailler. Je pense notamment à Élie Gébert, pardon, qui a énormément bossé. Il n'y avait pas Connor Swift, j'ai dit une bêtise. Mais on les a vus rouler pour certes, parfois pour des sprints. Bon,
Au final, 11e pour. Il n'y a pas un coureur dans le top 10. Est-ce que Quintana était forcément l'homme de la situation pour cette course? C'est une question qu'on peut se poser. Ouais. J'ai été un petit peu. Je dirais pas déçu par cette équipe, mais. J'attendais pas grand chose et bon, voilà, on est quand même pas très heureux des résultats finaux. Donc c'est là. En plus, ils ont été vraiment à l'avant. Ils ont énormément travaillé, mais des fois, ils roulaient fort dans une bosse et puis au bout d'un kilomètre, ils s'écartaient. Et puis, il n'y avait rien qui se produisait. J'ai pas trop compris leur stratégie à certains moments. Et puis, Caleb Ewan, qui, de toute manière, la loto, je pense que c'est une bêtise, il avait un programme qui était beaucoup trop ambitieux. Faire les trois grands tours pour en 2021, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible à un bon niveau de performance. C'est pas le seul, hein, je pense à Thomas De Rendt aussi, hein, qu'on n'a pas vu depuis... De Rendt, on ne l'a pas vu depuis très très longtemps. Mais Caleb Ewan, bon, bah, qui est pas en forme. Alors après, il faut aussi quand même se dire que depuis sa chute sur le Tour de France, Caleb Ewan, il n'y a pas eu grand chose quand même en termes de résultats. Si, une victoire, pardon, sur le Tour du Benelux, mais j'avais pas vu le Tour du Benelux, bien entendu, ça tombe sur moi. Mais il avait abandonné hein, sur le Tour du Benelux. Bon, les résultats sont quand même pas foufou. Il doit faire les championnats du monde avec l'équipe d'Australie. Et après, pour le moment, le programme est encore flou. Est-ce que ça sera pas sa fin de saison? Mais bon. De toute manière, la loto, à un moment, ils vont devoir comprendre qu'ils ne peuvent pas se contenter seulement de Caleb Ewan dans leur effectif. Ils ont lancé quelques jeunes, on va voir ce que ça va donner. Notamment, je pense à Kobe Goosen ou à Sweeney. Ce sont des coureurs intéressants. Mais ils vont devoir trouver un leader. Tiens, Miguel André Lopez, ça pourrait être intéressant pour la loto. Il est peut-être sur le marché, enfin, il est sur le marché des transferts, parce que je rappelle que, bon, il s'est fait virer de la Movistar. Il leur faut un autre coureur, quoi, de très bon calibre aujourd'hui à la loto. Le problème, c'est que, bah, tiens, Nibali, ça pourrait être intéressant pour la loto. Parce que même en tant que baroudeur, ou même pour faire 15e d'un classement du classement général, ils ont personne pour faire 15e du classement général d'un grand tour, hein, les mecs. Donc, c'est... Ouais. Il y a du monde en ce moment sur le marché des transferts. Ça serait peut-être intéressant de s'y pencher du côté de cette formation loto et du côté de Caleb Ewan. Bah, il y a vraiment... pour moi, il y a quand même sur sa saison un avant et un après, on va dire, Tour de France. Et faire trois grands tours, c'est impossible. Et on l'a bien vu, hein, il n'a même pas tenté le Tour d'Espagne parce qu'il n'était pas en mesure d'être performant sur cette course malgré 2 mois de pause après sa chute sur le Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc pour faire le débrief des championnats du monde au niveau du contre-la-montre. On fera, je pense, 3 vidéos ou 4 vidéos du côté des championnats du monde. Et puis voilà, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !